Le samedi 14 janvier 2023, alors que chacun vaquait à ses occupations, certains catholiques se préparaient à vivre un bon week-end. Voilà qu'une nouvelle va tout chambouler. En effet, vers les coups de 11h, dans les réseaux sociaux, les fidèles chrétiens apprennent, via un communiqué, le décès de l'abbé Serge Otis Sambou, curé de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, suite à une courte maladie. Et dans les statuts WhatsApp, on ne cesse de voir la photo du défunt circuler, une chose qui a attiré la curiosité du groupe Kassoumaï. Alors, qui est réellement abbé Serge Otis Sambou? Selon l'abbé Gaston Diata, successeur du défunt à la direction des œuvres catholiques de Ziguinchor, l'abbé Serge Otis était une personne à la joie communicative. Voilà, depuis l'annonce de la nouvelle de son décès, on essaie de recevoir donc des appels, des SMS, des mails qui témoignent de la sympathie des gens. Donc les remarques de soutien vis-à-vis de la communauté chrétienne. Pourquoi ? Parce que l'abbé Otis a été un homme de contact. D'abord en tant que directeur des œuvres, bien avant cela, vicaire à la paroisse de Valandine, vicaire à la paroisse de Néma, puis plus tard en mission donc à Cahors en France où il était, et jusqu'à son retour où il a été nommé donc directeur des œuvres catholiques avant d'être curé de la cathédrale. Donc, il a toujours été un homme de contact, et facile de contact d'ailleurs, un homme à la joie communicative, donc toujours joyeux et qui savait communiquer cette joie aux autres, sa joie de vivre, sa joie de croire, sa joie d'espérer en notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc le témoignage que je peux donner par rapport à Serge, je dirais que c'est un homme dont les qualités humaines étaient jointes à une foi engagée, une foi qu'il a mis en mouvement au service de la communauté chrétienne, au service de la société, donc à travers des actions ecclésiales et sociales. Voilà ce que je peux dire de lui par rapport, pour faire un résumé de ce qu'il a été. Donc un homme dont les qualités humaines étaient jointes à une foi engagée, qu'il a mis en mouvement au service de la société et aussi de l'Église. Société par rapport aux formations qu'il permettait aux jeunes d'avoir en entrepreneuriat, en tant que directeur des œuvres, société en tant que citoyen participant à l'édification d'une communauté plus fraternelle, plus juste à travers les messages qu'il transmettait, mais aussi dans l'Église en tant que prêtre, un bon prédicateur qui savait quand même toucher les cœurs et mettre en mouvement ses frères aussi. Voilà, il savait faire aux gens ce qu'ils devraient faire en Église, donc en les exhortant avec toujours une pointe d'humour qui, même si quelque part, exprime une certaine vérité, mais ne choque pas, hein, cette pointe d'humour-là. Toujours les gens à accueillir donc de manière positive ce qu'ils disaient en vérité avec un certain ton, mais toujours mêlé d'une pointe d'humour. Donc c'est ce que nous pouvons retenir de l'homme. L'abbé Serge Otis Sambou était surtout une personne humble. Marie-Agnès Deki, paroissienne de Néma. Bon, je pense que si on devait parler de feu abbé Serge Otis Sambou, on va passer la journée ici. Parce que vous avez dû constater que depuis l'annonce de son décès, c'est les mêmes commentaires qui ressortent. C'est une personne joyeuse, une personne qui savait mettre les gens à l'aise, une personne qui savait mettre de l'ambiance. Et aujourd'hui, je dirais que c'est le diocèse de Ziguinchor qui a perdu un prêtre. En lui, on voyait la joie. En lui, il mettait la joie. Donc, je pense que son départ, c'est quelque chose qui nous a tous marqués. On ne peut que nous remettre à Dieu et aussi rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a été pour nous. Abbé Otis est une personne très gentille. Nous, on a grandi devant lui à Néma parce qu'il était vicaire ici quand on était tout petit. Et on l'a eu à le côtoyer. Et vraiment, il nous a beaucoup marqué. C'est une personne qui aimait taquiner. En tout cas, même s'il ne connaissait pas la personne, il faisait tout pour le mettre à l'aise. Donc, c'est vraiment une perte pour le diocèse.
Mais en tant que chrétiens, nous gardons la foi et nous remettons tout entre les mains du Seigneur et nous rendons grâce aussi au Seigneur pour ce qu'il a été pour nous. On prie pour lui et je sais que là où il est, il prie pour ses paroissiens, il prie pour les fidèles du diocèse de Ziguinchor et pour toute l'Église catholique. Pour ces fidèles de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, dont il était le curé, c'est une grande perte, car Otis était une personne qui aimait beaucoup les taquiner, mais surtout, il a eu à motiver beaucoup de jeunes chrétiens à s'engager dans l'Église catholique. L'abbé Serge Otis était une personne joviale. Quand on le voit d'abord, on le voit le sourire aux lèvres. C'était quelqu'un de très spécial pour nous. En tout cas, une source de motivation pour tous les paroissiens de la cathédrale, surtout pour nous qui sommes des choristes. Donc, il nous a beaucoup aidés. Il a cheminé avec tous les paroissiens, je peux dire. Je me rappelle encore de ces mots, quand on n'animait pas bien les messes, à peine que la messe soit finie, il nous disait, vous, qu'est-ce que vous nous avez servi ainsi? Si c'est pour gâcher le courant, vous connaissez bien. Mais quand c'est pour chanter, là, vous hésitez. Je vous attends. J'espère que la prochaine messe sera meilleure. Donc, il nous motivait partout, je peux dire. Grâce à lui, beaucoup de jeunes ont pu s'engager dans la paroisse. Les amicales, certains amicales qui étaient vraiment en voie de disparition, je peux dire. Il a relevé beaucoup d'amicales. Et voilà, c'était quelqu'un en tout cas de très spécial. Son décès fut une grande perte pour tout le monde. En tout cas, je prie pour le repos de son âme et je sais qu'il est parmi les anges de Dieu. Abbé Serge Otis s'est endormi. Il est parti à jamais, laissant derrière lui des fidèles tristes, abattus par la perte d'un être cher. Mais tous ses fidèles prient pour le repos de son âme. L'abbé Serge Otis est juste parti de l'autre bord, où il va beaucoup veiller sur ses proches. Alors, ce n'est qu'un au revoir, cher fidèle catholique. Certes, il n'est plus là physiquement, mais il restera toujours dans nos cœurs. Bref, le groupe Kasumay FM, par ma voix, présente ses sincères condoléances à toute la communauté chrétienne. Abbé Serge Otisambo, reposez en paix et entrez dans la joie de votre maître.